Dans le rap, comme dans tous les milieux, on compte pas mal de petits génies. Des stars capables de cohabiter diplômes et succès internationaux. Si le duc de Boulogne, Booba, est bien diplômé de la street, mentionne bien, d'autres de ses collègues peuvent se la jouer avec des licences, masters et hauts doctorats en poche. C'est à cette occasion que nous vous présentons les 10 stars les plus diplômés au monde. Avant de commencer, si vous êtes nouveau, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne plus jamais rater une vidéo. Booba. Eli Yaffa, né le 9 décembre 1976 à Boulogne, est en effet titulaire d'un BEP en vente. Le rappeur Booba n'est pas forcément connu pour son parcours universitaire. Cela ne l'empêche pas d'être invité dans l'une des plus prestigieuses universités au monde pour y délivrer sa prose. Le rappeur des Hauts-de-Seine a été reçu à Harvard en septembre dernier pour parler business avec les étudiants de la Business School de l'université privée américaine. En plan bizarre avec mon BEP vente, je suis condamné au MIC à la vente de substances bizarres. Oui, le DUC est titulaire d'un BEP en vente, c'est lui-même qui le dit dans son morceau Bull B, tube extrait de l'album Westside. Jamais à l'ouest quand il s'agit de causer des business, le MC d'origine sénégalaise a pu capitaliser sur son talent et son image pour devenir un homme d'affaires avisé. Rappeur reconnu, créateur de la marque de vêtements Uncut et du champagne DUC, ce dernier a tout du self-made man à l'américaine. Aujourd'hui, il reste à jamais validé par Harvard et les férus littéraires. Debordo Linkoufa. Digbe Seri Tanguy Patrick alias Debordo Linkoufa, né le 20 décembre 1984 à Abidjan dans la région de Lagouine. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Debordo est un chanteur, auteur, compositeur, interprète ivoirien. Bien que les faiseurs de sa musique, celle du coupé décalé, soient vus souvent comme des personnes n'ayant pas un niveau d'études élevé, comme c'est le cas avec son collègue DJ Arafat qui lui s'est arrêté en classe de CM2. Debordo, lui, fait honneur à ses collègues du coupé décalé avec son diplôme universitaire. Il est en effet titulaire d'un bac plus 4 à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, ce qui fut déclaré lors d'une interview avec l'équipe C-Midi par la chroniqueuse Alissa Zena. Il explique en effet qu'en tant qu'élève jusqu'à étudiant, il fut resté studieux. Ce qui signifie que l'on n'a pas besoin de sécher les cours pour faire du coupé décalé. Kaaris. De son vrai nom Okunya Kuri, né le 30 janvier 1980 à Cocody, Abidjan, est un rappeur, compositeur, acteur, producteur et entrepreneur français d'origine ivoirienne. Kaaris a placé souvent sur la carte d'un rappeur français en mutation. Celui qui aura fait de la trappe son terrain de jeu s'est inspiré de ce style venu notamment d'Atlanta pour envoyer la sauce. Côte d'Ivoire, Atlanta, Saint-Denis, non, le KAA n'est pas diplômé en géographie. A la différence de beaucoup de rappeurs de sa catégorie, ce dernier est par contre détenteur d'un bac STT, Sciences et Techniques Terre-Terre, l'ancêtre de notre bac STG, Sciences et Technologies de Gestion. De quoi bien gérer sa bac est devenu l'un des emblèmes de son époque. Juan Atkinson. Juan Atkinson est un acteur, scénariste et humoriste britannique né le 6 janvier 1955 à Consett. Il est surtout connu pour être le créateur et interprète du personnage Mr. Bean, rendu mondialement célèbre par la série télévisée éponyme, primée au British Academy Award. L'expression « il ne faut pas se fier aux apparences » prend ici tout son sens. Qui pourrait deviner que le créateur et interprète du personnage Mr. Bean est diplômé d'universités prestigieuses telles que Newcastle et Oxford? En effet, Juan Atkinson est diplômé d'université où il a eu pour camarade de classe le premier ministre britannique Tony Blair et d'où il est sorti avec une maîtrise en électronique et un titre d'ingénieur. Non, ne répondez pas, mais sachez tout simplement que la prochaine fois que vous le verrez sur vos écrans, c'est avant tout un ingénieur en électricité que vous voyez en train de se jouer les idiots. Youssoupha. Troisième rappeur français de la liste, Youssoupha est le rappeur français le plus diplômé. Après être né et avoir grandi à Kinshasa, il arrive à Béziers en 1989 à l'âge de 10 ans avant de s'installer chez sa tante en région parisienne. Venu en France pour y poursuivre sa scolarité, il réside ensuite à Cergy jusqu'à son entrée en seconde avant de démarrer à Sarre-Toucheville dans les Yvelines. Il passe son bac littéraire et s'oriente ensuite vers les études de médiation culturelle et de communication à la Sorbonne Nouvelle jusqu'à la maîtrise bac plus 4.
avant une brillante maîtrise en médiation culturelle et de communication obtenue à l'Université Sorbonne Nouvelle de Paris, Youssef peut se vanter d'un sacré record. En effet, ce dernier a obtenu la meilleure note de son académie lors de l'épreuve orale du bac français avec 18/20. Davido. Fils d'un influent homme d'affaires nigérien et professeur à l'université, Davido a étudié l'administration des affaires à l'université Wakwood avant d'emménager au Nigeria. Il a aussi obtenu un diplôme en musique à l'université de Badcock dans l'état de Ogun. Même si dès le départ, son père n'était pas toujours d'accord pour son choix de carrière, Davido se lance dans la musique. Il sort en 2012 son premier album Omo Baba Olowo. Contrairement au précédent rapport qui nous était parvenu comme quoi il était premier de classe, Davido a confirmé qu'il a été bel et bien diplômé de l'université Badcock au Nigeria avec un diplôme supérieur de musique mais en tant que deuxième. C'est avec un standing d'ovation que l'interprète de Skelewu a reçu son certificat devant son père milliardaire. Koffi Olomide. Antoine Christophe, dit Koffi Olomide, né le 13 juillet 1956 à Kisangani en RDC, est un auteur, compositeur, interprète, chanteur et producteur congolais. Il est le dirigeant fondateur du groupe Quartier Latin International. Il lance son propre label Koffi Central en 2013. À l'âge de 18 ans, Koffi Olomide obtient un bac scientifique et son père lui permet d'aller continuer ses études en France à l'université de Bordeaux. Il obtient un diplôme en sciences commerciales avec son thème de mémoire intitulé « La commercialisation de la richesse minière du Zaïre, un atout pour celui-ci ». Nicki Minaj. Nicki Minaj, de son vrai nom Onika Tania Maraj, née le 8 décembre 1982 à Port d'Espagne, est une rappeuse, chanteuse, parolière, mannequin et actrice américaine. À l'âge de 5 ans, elle emménage dans l'arrondissement du Queens à New York aux États-Unis. Minaj étudie pour devenir actrice à La Guaja High School à Manhattan et sort diplômée avec honneur. De 2007 à 2009, elle sort 3 mixtapes, Playtime is Over, Sucker Free et Beam Me Up Scooty qui s'est écoulé à plus d'un million d'exemplaires. Une prouesse pour une artiste underground, elle signe avec le label discographie Young Money en 2009. Avant de se déhancher dans ses clips, Nicki Minaj a fait des études. La rappeuse est titulaire d'un bac plus 3. Lil Wayne. Pour Lil Wayne, son éducation en fait un exemple pour les jeunes. De son vrai nom, D. Wayne Michel Carter, né le 27 septembre 1982 à la Nouvelle-Orléans en Louisiane, est un rappeur, producteur et entrepreneur américain. En 1991, à l'âge de 9 ans, Lil Wayne rejoint Cash Money Records en tant que plus jeune membre du label, à côté du rappeur Lil Doogie. En 1996, Lil Wayne forme le premier groupe d'hip-hop avec ses collègues de Cash Money Juvenile, Young Thug et Lil Doogie. Lil Wayne, la légende du rap US, a donné récemment une interview à Viceland dans laquelle il parlait de son influence auprès des jeunes. Il nous explique que son parcours scolaire a été exemplaire, un très bon élève, diplômé très jeune d'une grande école de la Nouvelle-Zélande et qu'il envoie également une image positive à la jeunesse. Lil Wayne est bien plus intelligent qu'on ne le pense, la preuve, il a fini son master en psychologie. Arnold Schwarzenegger. Arnold est un acteur, culturiste et homme d'affaires politique d'origine autrichienne, né le 30 juillet 1947 à Autriche. Surnommé le chêne autrichien pendant ses années culturiste et plus récemment gouvernateur, mot mélangeant gouverneur et terminator, il se fait connaître universellement en devenant un des plus grands culturistes avec notamment 5 titres de Mister Univers et 7 titres de Monsieur Olympia. Arnold est détenteur de 3 doctorats, le tout réalisé dans 2 universités différentes, celle de Vienne et celle du Wisconsin. Arnold est donc docteur en économie, en gestion des affaires et en lettres humaines. Depuis, il a mis ses compétences au service de son pays en devenant gouverneur de l'État de Californie durant plusieurs années. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu et de vous abonner à ma chaîne. David fait des tops, une vidéo chaque jour.